Eh bien, je suis artiste plasticien. Donc, je travaille dans la région, j'habite Béziers. Voilà, j'ai une pratique artistique maintenant depuis pas mal d'années. J'expose régulièrement, soit dans la région, ou un peu plus loin, à Marseille aussi, ça m'est arrivé là récemment. À Paris, bon, voilà, bon, j'essaye de faire un peu rayonner mon travail. Voilà, je suis représenté aussi par deux galeries à Montpellier, la galerie Annie Gabrielli et la numéro 5 galerie. Donc le travail que je présente ici, c'est un travail qui prolonge ma recherche depuis maintenant quelques années, qui est en lien avec le paysage et la nature. Les dessins présentés ici au Salon du dessin à Narbonne sont plus à considérer comme des études préparatoires à de grands formats. En fait, je réalise pas beaucoup d'assez grands formats. C'est un travail un peu particulier dans le sens, surtout les deux qui sont à gauche, qui sont des études que je considère comme des études assez poussées, hein. Je reprends un petit peu le procédé photographique que j'utilise en fait, parce que tous mes dessins sont réalisés à partir de vues, de photographies que je fais dans le paysage, dans la nature. Et donc je prends systématiquement ou quasiment systématiquement des sites, des vues, en produisant plusieurs images pour reconstituer un ensemble, ce qui me permet d'aller dans une assez grande précision dans le rendu du dessin. Mes préoccupations sont liées évidemment aux questions du paysage et du dessin. En particulier, c'est ma pratique, on va dire, favorite de prédilection, le dessin et en particulier le fusain. J'ai une pratique, un procédé, un processus de création qui est lié à la photographie. Bon, je ne suis absolument pas photographe, mais ça fait partie de mon outil de recherche. Je déambule, je fais de longues promenades dans la nature pour essayer de capter les vues qui m'intéressent. Je dirais que mon travail s'inscrit un petit peu comme beaucoup d'artistes aujourd'hui dans un retour à la nature, un retour au paysage. Mon travail, de par sa facture, son écriture est assez classique, et même en parlant des compositions. Et ce travail-là, je pense qu'il est aussi inconsciemment, je dirais aussi, d'une part, lié à ce retour vers la nature dont je parlais, à cette préoccupation qu'ont certains artistes aujourd'hui de retourner vers des choses un peu essentielles, hein, et des problématiques aussi liées à l'écologie, qui s'inscrit aussi dans une ère qui est celle de l'anthropocène, comme on dit, c'est-à-dire d'une nature qui est un peu impactée par la présence de l'homme quand même. Donc le travail que j'élabore, il est lié à la fois à cette préoccupation un peu écologique, malgré tout, et puis lié aussi beaucoup à des références, à mes sources, qui sont à la fois liés à l'histoire de l'art, du dessin, de la peinture, mais aussi à la littérature. En fait, j'ai commencé un cycle de travaux, de dessins, notamment des grands formats que j'ai présentés au château de Servières récemment à Marseille. Ces grands formats partent d'une investigation, enfin d'une réflexion autour d'un texte d'un auteur américain du 19e siècle, Henry David Thoreau, qui était un des pionniers de l'écologie, et qui a une réflexion qui est philosophe, je crois, et qui a vécu comme ça dans la nature, dans le plus grand dépouillement, loin de la civilisation, et qui a fait véritablement une expérience d'immersion dans la nature. Et je trouvais que ce lien avec notamment cette référence-là, il était intéressant parce qu'il est aussi pour moi une sorte de métaphore de ce qu'est le travail de l'artiste, c'est-à-dire une sorte de quête comme ça de l'infini, d'un travail un peu solitaire aussi. Malgré tout, quand on est dans l'atelier, on est un peu livré à nous-mêmes, quoi, finalement. Alors au départ, c'était lié à des questions esthétiques, c'est-à-dire que je me rends compte que même des choses que j'ai fait il y a pas mal d'années, qui sont très différentes, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun, c'est cette espèce de trame ou de tissage que je mets en place avec le geste, avec l'outil, etc. Et ces vues de friches naturelles, d'arbres morts, bon, moi, je ne suis pas dans un paysage à la Corot ou à la Poussin, voilà, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas, hein, y a pas de possibilité d'échapper à ce qui est devant soi, quoi. Il y a une forme de frontalité comme ça de la nature, un peu plus proche de quelque chose de l'ordre du wilderness ou d'une nature un peu aussi parfois un peu inquiétante, qui nous domine aussi. Et c'est vrai que ces friches qui montrent des branches ou des arbres morts, elles sont intéressantes au départ parce qu'elles offrent une potentialité de graphie, de dessin. Mais en même temps, je me dis que cette récurrence-là, elle est importante parce qu'effectivement, ça met en jeu toutes ces questions liées à une nature qui serait comme une sorte de sanctuaire finalement du monde,
Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'architecture aussi dans ce que je construis. C'est-à-dire qu'en fait, la photographie, au départ, elle me permet aussi de procéder à une forme de mise en ordre de la nature. La photographie permet de donner des limites, permet de donner un cadre. On travaille sur le point de vue, sur la profondeur, sur plein de choses comme ça, qui fait que déjà, on procède à partir d'un monde infini, quoi, enfin d'une nature sans limite, on procède déjà à une mise en ordre. Et en fait, tout ce, à travers ces friches, à travers ce chaos végétal, tout se remet en place d'une certaine manière, de façon assez étonnante, quoi. Je ne pourrais pas dire précisément à quel moment ça s'est déclenché, mais j'ai toujours dessiné depuis tout petit, hein. Donc j'ai toujours eu une pratique du dessin artistique. Après, dans un cursus tout à fait classique, hein, j'ai suivi des études d'art. Je suis enseignant d'art plastique aussi. J'enseigne les arts plastiques et l'histoire des arts dans un lycée proche de Béziers à Sérignan, le lycée Marc Bloch. Donc je suis tombé dedans depuis tout petit, quoi, en fait, hein. Je suis pas autodidacte, hein. J'ai une formation qui m'a permis de développer un rapport à l'art qui est aussi un rapport assez théorique, finalement, hein, de par ma formation. Le fait de continuer à travailler, de produire des œuvres, c'est aussi, par rapport à mon métier d'enseignant, c'est important, parce que même si c'est deux choses différentes, une pratique nourrit l'autre. C'est-à-dire la pratique d'artiste, elle est essentielle pour ma pratique de pédagogue, si j'ose dire. Après, j'ai l'occasion de vendre quelques œuvres, ça m'arrive, hein. C'est pour ça que je suis en galerie aussi, hein. C'était pas une volonté précise au départ. Mais ce qui est évident, c'est que quand on a une pratique artistique, on a quand même un des objectifs, un des trucs stimulants, c'est de pouvoir montrer son travail, évidemment, quoi. Donc cette pratique aussi en lien avec cette sphère économique ou socio-économique dont tu parles, elle est importante, parce que je pense qu'on ajuste aussi nos pratiques en fonction du public qu'on va rencontrer ou à qui on s'adresse. Travailler ici, enfin présenter son travail dans un salon, c'est pas tout à fait la même chose que de présenter son travail dans une galerie, par exemple. Je pense qu'on fait des choix qui sont plus précis quand on travaille pour une galerie, j'ai l'impression. Ben, qui permettent, je sais pas ce que ça dit, mais en tout cas qui permettent aussi en permanence de réajuster son travail et d'avoir un objectif de création qui n'est pas lié essentiellement à quelque chose de mercantile, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui permet par exemple, je sais pas moi, de pouvoir revenir à des petits formats, des choses comme celles qu'on voit derrière moi, là. Des choses qui sont plus humbles aussi dans la pratique. Quand on travaille par exemple en résidence dans un lieu particulier, ça permet aussi de développer un autre pan de la pratique, essayer des choses en termes de monstration, d'accrochage, de pouvoir faire des grands formats. Éventuellement, quand il y a une production derrière, de pouvoir essayer de nouveaux supports. Donc ce qui est important, c'est ça en fait, je crois. De pouvoir continuer à travailler en fonction des lieux et d'un public, ça c'est absolument essentiel, quoi. Il faut trouver un juste équilibre entre l'envie de faire abstraction d'une critique, même si elle est positive, hein, encore plus, je crois, hein, et l'envie d'aller vers le public et de faire aussi, parfois, ça peut arriver, des médiations, c'est-à-dire expliquer son travail, un peu comme je suis en train de faire avec toi, là, hein. C'est un exercice difficile, parfois même douloureux, mais qui est essentiel, parce que ça permet aussi d'avoir un recul critique sur ce qu'on fait. Donc effectivement, aller à la rencontre d'un public, c'est important parce que, alors que ce soit un public éclairé ou pas d'ailleurs, hein, c'est important parce que l'appréciation, le jugement du public, il est souvent pertinent, hein. Alors, parfois, il y a des réflexions qui sont même étonnantes, inattendues, qui nous permettent de porter un nouveau regard sur notre propre travail. Mais quand je pense à mes grands formats, il y a nécessairement, par rapport au processus que j'engage avec la question de la photographie, il y a des réflexions qui sont liées à une sorte de rapport saisissant pour le public entre l'image et la réalité. En fait, ce que je veux dire, c'est que la dimension photoréaliste de certains de mes travaux, pas tous, ça crée souvent un étonnement auprès du public. C'est compliqué pour moi, parce que la photographie, je m'en écarte. C'est pas le but absolu, c'est pas de faire quelque chose d'hyper réaliste ou de hyper photo réaliste, c'est pas ça. Mais je peux pas non plus le nier. Mais la question de la mimésis, évidemment, est présente dans mon travail, quoi.
J'espère la traiter, sinon en tout cas essayer de négocier au mieux cette question de la mimésie. C'est-à-dire que moi je ne fais pas quelque chose pour que ce soit mimétique. Mon travail ne s'inscrit pas dans un rapport au monde qui est celui de l'illusion. Malgré tout, il est présent. Ce vers quoi je tends dans mon travail, c'est ce dont parle Daniel Arras, l'historien de l'art, hein, qui dit que bon, il y a certaines œuvres comme ça qui se lèvent. Il emploie cette expression qui est assez étonnante. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais moi je traduis ça par une forme de saisissement de l'image. Une œuvre qui paraît évidente en soi, quoi. Sans discours a priori ou sans... Voilà. Dans le champ de l'art, il y a plusieurs types d'expressions et des intentions différentes. Finalement, l'œuvre d'art, c'est une vaste supercherie, quoi. Enfin, c'est une tromperie, quoi. Ça n'est que illusion, d'une certaine manière. Après, bon, les questions liées à la matière, au support, à la dimension, au format, etc., c'est hyper important parce que la réalité physique de l'œuvre, c'est absolument essentiel, évidemment. Ah, c'est compliqué parce que entre l'égotisme et une recherche d'accomplissement de soi ou de recherche de reconnaissance, on va dire, oui, je sais pas, non, oui, j'y pense pas vraiment, c'est pas important, non. Non. Parce que quand on est plasticien, on se cache un peu derrière un truc quand même. Je sais pas, c'est pas comme le comédien qui est quand même s'il joue, il incarne un personnage qui n'est pas lui, il est quand même là, quoi. Nous, on est un peu à la fois livrés à nous-mêmes et ouais, c'est une entreprise un peu étrange quand même. Mais on se cache derrière nos images malgré tout. On essaye de contribuer modestement ou avec nos propres moyens à une forme de compréhension du monde, quoi. Et c'est compliqué de vivre avec ces filtres-là, avec ce fond de connaissances, ce rapport théorique à l'art, bien sûr. Et on ne le vit pas forcément très bien, d'ailleurs. Moi, je me pose souvent la question de prendre des risques, ouais, par rapport à ça. Bah, à un moment donné, effectivement, de laisser de côté ça. Alors, je sais pas comment. Je préfère en tout cas me débrouiller avec ça plutôt que de m'en défaire, parce que ça fait partie, de façon constitutive de ma personne. Alors, s'objectiver, effectivement, c'est un risque à prendre. En tout cas, si je ne le fais pas, je l'imagine, ouais. Je pourrais fantasmer une autre pratique, ou me dire que si je n'avais pas ce background ou ce fond-là, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je ferais de la sculpture, j'en sais rien. Peut-être que je ferais de la peinture rupestre, probablement, je ne sais pas. Je serais peut-être plus dans la nature que je serais à l'écart de la nature, malgré tout, parce que je triche complètement, c'est-à-dire que je ne suis pas thorough, quoi. Je ne prends pas le risque de... J'aime mon confort d'homme moderne et j'aime la nature, mais voilà, je ne suis pas non plus un intégriste de ce côté-là. Donc oui, effectivement, il y a un rapport qui est toujours intellectuel, quoi. Oui, c'est un problème, c'est parfois un problème. Mais je pense que c'est aussi, le défi, il est là, c'est aussi de pas être dans le refus de ça, ou de pas se défaire complètement de ça, de pas se dénuder, et de remettre en question certaines pratiques ou certains points de vue à partir de ce qu'on est, quoi, finalement. Je pense pas qu'on puisse se défaire totalement de ça, quoi. C'est compliqué. Très compliqué. Ouais, est-ce que je serais un artiste brut, naïf? Est-ce que je serais quand même autodidacte? Enfin, voilà. On peut très bien être autodidacte en ayant une culture immense, comme inversement, on peut être voilà, très... Tu vois ce que je veux dire? Avoir un fond très important et ne rien produire du tout, ou de produire des choses qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas représentatives de soi-même, quoi. Ben, enseigner l'art, c'est quelque chose d'à la fois simple et de compliqué. Simple parce que je pense qu'il faut transmettre des choses qui sont à la fois pratiques, qui sont liées parfois même à un métier, dans le sens d'un savoir-faire, et en même temps compliqué parce qu'il faut envisager d'amener les élèves ou les étudiants vers un questionnement. En tout cas, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que bon, c'est un peu facile, un peu un lieu commun, mais je leur dis souvent que finalement, vous n'avez que des questions à poser, quoi, que l'œuvre d'art n'apporte jamais de réponse, quoi. C'est une énigme. Ah si, l'art est politique, bien sûr. L'art est toujours politique, j'en suis persuadé.
à différents degrés. Bon, moi, ça saute pas aux yeux hein, que ma pratique a une dimension politique, mais je suis persuadé que oui, bien sûr. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un outil de compréhension du monde. Après, il y a des artistes, de grands artistes, hein, je ne parle pas de moi, qui ont un engagement politique. Des gens comme Joseph Beuys ou des gens comme ça, qui ont un engagement clairement politique, idéologique. Je pense que toute pratique artistique a une dimension politique. Parce qu'on fait partie de la cité, tout simplement, parce que l'artiste, il a un engagement aussi par rapport aux acteurs aux politiques, par rapport au public. Oui, je pense que c'est ce qui différencie l'artiste aussi un peu de l'artisan. Enfin, je fais attention quand je dis ça, voilà, parce que je, voilà, je, voilà, je sais pas, il y a pas de mépris dans ce que je dis, mais je pense que c'est une grande différence. Oui. Que le confort matériel permet d'être plus libre, je crois pas, non. Non, non, je pense pas. Par contre, ça m'oblige à une certaine pratique. Je pense que je ferais peut-être pas ce que je fais si j'étais pas prof et si j'avais pas ce revenu-là. Mais par contre, ça m'oblige. Je le fais avec un certain confort, quoi. Mais ça me, avec une certaine acceptation, je veux dire. Ça m'oblige à rationaliser mon travail. C'est-à-dire que quand je rentre dans mon atelier, il n'y a pas trop de temps de flottement, quoi. Voilà, je sais que j'ai 3 heures pour bosser. Je dois absolument savoir ce que je vais faire, à peu près, quand même. Donc, liberté, beaucoup moins, en fait. Je ne suis pas lié non plus à des contraintes qui pourraient être celles d'un galeriste, même si mes galeristes, ils ne m'embêtent pas là-dessus, hein, attention, mais c'est vrai que. Voilà, on a une liberté en tout cas, oui, effectivement, ne serait-ce que dans le choix du sujet, quoi, effectivement. On ne fait pas un truc dans l'intention de le vendre, donc effectivement, si c'est ça, avoir une liberté, peut-être, oui. J'espère, comme beaucoup de gens, qu'il y aura un monde d'après, comme ça a été dit. Puis pas, parfois, je suis quand même assez pessimiste, je pense que ça va redémarrer aussi sec après, qu'on va redevenir des consommateurs vils et soumis. En tout cas, le fait d'être là aujourd'hui avec toi et avec les autres et de faire ce type de médiation, c'est assez singulier. Mais je pense que c'est aussi un acte de résistance quelque part par rapport à la question du monde de la culture. C'est vrai qu'il y a des avis qui sont plus ou moins partagés. Le fait de ne pas pouvoir ouvrir l'exposition, le salon à un vrai public, c'est difficile, c'est douloureux. Et de se dire que rien ne remplacera l'œuvre elle-même. Hein, que les images, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas la remplacer. Et puis je me suis dit que moi personnellement, je n'avais pas un avis aussi tranché. Je me suis dit que c'est toujours mieux que rien et qu'il faut continuer à faire les choses, quoi, même s'il n'y a pas le public. Parce qu'il reviendra, le public, de toute façon, dans le monde d'après. Après, c'est vrai que ça pose des questions éthiques, philosophiques. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais oui, comment on va faire après, quoi? Est-ce que ça va avoir une incidence sur notre pratique? Est-ce que dans les relations, ça va changer les choses? En tout cas, il y a une conscience qui s'éveille, quoi. Et ça, c'est essentiel. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir, cette conscience-là. Donc voilà, je ne sais pas si je dois être pessimiste ou optimiste, mais en tout cas, moi, je trouve que le cas présent aujourd'hui, je crois que c'est essentiel de faire ça. Ouais.